Doc Holliday vient de descendre de la diligence. Tu veux qu'on t'accompagne pour le recevoir? Pourquoi dis-tu ça? Eh ben, je crois que ce serait plus prudent d'y aller à plusieurs. Je te comprends bien, mais j'ai pas l'intention d'embêter Doc Holliday. C'est un bon ami à moi. Et tant que je serai shérif, il fera ce qu'il voudra ici. Alors, ça va? Ah, ce que je suis content. Ce vieux Doc. Tu es resplendissant. Ouh, j'ai l'impression que tu prends de la graisse. Qu'est-ce que tu viens faire? Eh ben, d'abord, je serais pas fâché de causer avec toi. Et secondo, je suis à la recherche d'un joli petit cheval rouan. On t'a volé ton cheval? Oui. C'est une petite bête ravissante. Pas commode, mais j'y tiens autant qu'un enfant à son sucre d'orge. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris en pensant au voleur. Le pauvre diable, il ne sait pas ce qu'il attend. On t'a dit qu'il était dans la région? Ouais. Oh, mets ça sur la table. Qu'est-ce que tu veux prendre? Bah, j'ai commencé par du whisky, je vois pas pourquoi je continuerai pas. Alors, vois-tu traîner tes guêtres? Eh bien, j'ai surtout couru la prairie. C'est pour ça que j'ai à te parler. Je suis légèrement gêné et je pense qu'on peut faire une affaire ensemble. Alors, moitié, moitié. Je t'empêche pas de gagner ta vie, mais si c'est une affaire dans le genre de la dernière fois, vaut mieux que tu m'en parles pas. Pourquoi? Où que t'as dégoté ça? Oh, j'ai été élu shérif il y a à peine 15 jours. Eh ben, mon ami, je n'aurais jamais cru que tu en arriverais là. Bon, que veux-tu? Il faut bien faire une fin, pas? Dis donc, mec, t'aurais pas vu un petit cheval rouan, des fois? Un petit cheval rouan? Oui, une bête haute de 13 pots, mais jolie comme un cœur. Si, il me semble en avoir vu un à peu près de cette taille-là. Oui, en venant travailler tout à l'heure. Où ça? Up in front of the dentist's place. Where's that? I'll show you. Que je te dis, t'occupe pas du reste. Tu vas le poser sur ta tête en équilibre, t'entends? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Just put it up on your head, I'll show you. Best thing in the world for that dandruff of yours. Wait a minute, Doc. Hello, Fred. Oh, tiens, tiens. Serrons-nous la main. Combien vois-tu de doigts, Fred? Faut que j'aille le mettre sous clé en attendant qu'il cuve son vin. Va devant, Doc. Le dentiste habite au coin de la première rue à droite. Je te rejoins dans une minute. C'est une jolie petite bête. Très jolie. D'où viens-tu? Je l'ai acheté à Santa Fe. Pourquoi? On me l'a volé dernièrement à Socorro. Si je ne voyais pas tes revolvers, je te dirais que tu commences jeune. Vous croyez que c'est moi? Tu ne m'as pas dit le contraire? Non, je n'ai rien dit. Je m'appelle Holliday. Doc Holliday? Oui. Je connais le nom. Tiens donc. Je veux pas abuser de la force. Ah bon, je croyais que ça allait mal tourner. Comment t'appelles-tu? Barney. Billy Barney. Billy le kid, hein? Alors vous m'accusez toujours? Combien l'as-tu payé?
pas la peine que je vous le dise. Pourquoi? Ce cheval me plaît et je tiens à le garder. Moi aussi. Je comprends ça. On est dessus comme dans un fauteuil. Écoute, Fiston... Je sais que vous êtes bon tireur. C'est ce qu'on m'a dit aussi de toi. Alors, ça ne vous ferait rien de pas rester devant le cheval? Tu m'as l'air assez sûr de toi. Hein? Inutile de faire des histoires pour rien. T'as raison. Alors, Doc, tu l'as retrouvé? Oui, non. Comment, il est pas à toi, ce cheval? Il est plus à lui. Dis donc, tu manques pas d'aplomb, toi. Je vais te conduire dans un petit endroit tranquille avant que l'affaire se gâte. Allez, viens. Ah, je vois que t'as été bonne patte et je t'en remercie, Doc. Pas de quoi, Pat. Tu n'as pas voulu faire le méchant avec un gosse. Alors, je t'ai dit de venir. Tu as entendu, oui? Oui, j'ai entendu. Tu ne réussiras pas mieux que moi. Tu me permets? Je voudrais te présenter à mon jeune ami. Billy, c'est mon vieux camarade Pat Garrett. Je te présente Monsieur Billy Barney. Billy Bar... Ah, tiens, tiens. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Serrons-nous la main. Hé, Pat, combien vois-tu de doigts? Regardez ton truc pour tes amis. Pendant que vous discutez, je vais mettre mon cheval à l'écurie. En arrière, petit. Oh, toi, je... Du calme, Pat. Ne fais pas l'imbécile. Jolie petite bête, hein, Doc? Où est le shérif? Il a disparu. Si on faisait un petit brin de causette. Je ne cause jamais avec les gens. Sauf quand j'ai quelque chose à y gagner. Fiston, t'as vraiment la tête bien accrochée. Il faut bien. Autrement, il y a longtemps qu'on me l'aurait cassé. Je crois que t'as raison. Qu'est-ce qui t'a fait penser que Garrett allait t'attaquer? Eh bien... C'était la première fois qu'un shérif voulait me serrer la main. Alors, qu'est-ce que t'attends? Hein? Tu as parlé de serrer la main. Oh. Enchanté, monsieur Cheval. Comment ça va chez vous? Bah, ça, par exemple, c'est un ancien cheval de cirque. Qu'est-ce qu'il sait faire encore? Tiens, mets-toi là-bas. Il va prendre tes gants dans ta ceinture et il va me les apporter. Un petit peu plus par là. Recule encore un peu. Comme ça, ça suffit. Allez, lève les mains. Allez, Doc. T'es pas habitué à ça, hein? Quoi? À être arrêté quand tu voles un cheval. Doc, vous savez que je n'ai pas plus que vous volé ce cheval. Billy, la plaisanterie est souvent l'expression de la vérité. Vous n'êtes pas non plus habitué à ça, Doc. Ah, et à quoi donc? Que vous, Doc Holliday, vous vous passiez donner un coup de main. Et par un policier. À peine le croire. Quand je pense que je vous prenais pour une espèce de héros. J'ai entendu parler de vous depuis que j'étais gosse. Assez palabré. Tourne-toi. Avance et ne fais pas l'idiot. Attends, Pat. Pourquoi? Bah, je t'avouerai que ça me chiffonne un peu, cette petite histoire. Quoi? Doc, tu ne veux pas tourner Kazakh maintenant? Je crois bien que si, Pat. Je m'en voudrais toute ma vie. Oh, les mains! Je n'ai pas l'intention de te lâcher. Il pourrait me tirer dans le dos, restez pas là. À ce qui paraît, c'est plutôt toi qui es coutumier du fait. Ah non, Pat, ça, c'est pas des choses à dire. T'as pas le droit de l'insulter. Alors, monsieur Garrett, si je tire dans le dos des gens, faites-en autant, c'est le moment.
Vous venez, Doc? Oui, oui, je viens. Je vous donne à tous les deux jusqu'à ce soir pour quitter la ville. Mais pour quelle raison? Ça va, Doc. Tu as le droit de choisir tes amis. Ça alors? Je ne trouve pas la plaisanterie très drôle. Il sait que la diligence est déjà partie, et il sait que je n'ai pas de cheval. À moins que... Vous partirez à cheval. Non, sérieusement? Bien sûr. On en trouvera bien un autre quelque part. Ça suffit comme ça. Nettoyer? Pas encore. Où couches-tu ce soir, fiston? J'ai une chambre à l'hôtel. Doc, est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. Compte-moi mes jetons. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Je voudrais pas vous vexer, mais... Le dernier as que vous avez tiré. Oui, eh bien. Je crois bien qu'il était en dessous du paquet de cartes. T'en es sûr? Non, sans ça, je le demanderai pas. Je vois que t'es un garçon sensé. Voilà, Doc. Hmm? 640 dollars. Merci. T'aurais pu payer le cheval 3 ou 4 fois avec une somme pareille. C'est vrai. J'espère que vous êtes content. Tu vas au lit? Oui, j'y vais. Je descends jusqu'à l'hôtel avec toi. Allons, messieurs, et bonsoir. 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 Doc, si vous n'avez pas de chambre, vous pouvez venir chez moi. Non, je te remercie. Je sais où aller. J'ai une petite amie qui vient de s'installer ici. Ah? Et toi, t'as eu d'amis, Billy? Non. Je n'ai rien de rien. Sauf mon cheval. Tu te fiches de moi, un garçon comme toi, à Londres. T'as sûrement une bonne amie. Non. Je crois pas aux femmes. C'est pas à ton âge qu'on dit ça. J'en ai connu quelques-unes. Et elles t'ont fait des grâces, hein? À chaque fois. Ouais. À chaque fois. Ah, je te plains, Billy. Ta vie n'a pas toujours été rose, pas vrai? Je vais te dire une bonne chose. Puisque ce cheval te plaît tellement, je me ferai un plaisir de te l'offrir. C'est très gentil de votre part, Doc. Merci. De rien, Billy. Bonsoir, à demain matin. Bonsoir, Doc.
Tiens, Billy. Je venais souhaiter le bonsoir à Rain. Eh bien, si c'est fait, vous pouvez le remettre à sa place. C'est ça. Bonne nuit, Red. À demain. Vous ne l'embrassez pas? Non, il n'aime pas ça. Allez, rentre chez toi, Red. Eh, c'est mon tabac, ça. Je crois que oui. Ça ne t'ennuie pas que je le reprenne? Red, je crois que je vais coucher avec toi, si tu le permets. Je m'appelle Rio. Rio, comment? McDonald. McDonald? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Où habitiez-vous avant d'être ici? À Socorro. McDonald? Ah oui. Qui était-ce, lui? Mon frère. Il n'aurait pas dû boire autant de whisky ce jour-là. Qu'est devenue la fille ensuite? Elle s'est mariée avec un autre, moins d'un mois après. Eh oui, c'est la vie. Je ne savais pas que c'était votre frère. C'était lui ou moi?
Et en tout cas, moi, je ne l'ai pas pris en traître. Je regrette d'avoir été brutal. Vous ne m'avez pas fait de mal. Sûr. Dommage que je n'ai pas su. Quoi? Qu'il était votre frère. Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, peut-être que je n'aurais pas essayé d'avoir l'autre fille. Oh, vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sur un caillou. Attendez, je vais l'enlever. Tranquille, vous n'aurez plus de robe du tout. Lâchez-moi! Je te dis que non. Et je te dis que si. Je te dis que non. T'es sûr que tu l'as entendu crier? Oui, je l'ai entendu. Moi aussi. Alors, c'était pas Billy le Kid. La dentiste a obligé n'importe qui à crier. Attention, le vlac arrive. Je regrette de t'avoir fait attendre. Oh, je ne suis pas pressé. Dites, monsieur, c'est bien vous, Billy le Kid? Il paraîtrait, oui. Ah, qu'est-ce que je te disais? Oh, le deuxième escalier! Oh, attendez, pas tous à la fois. C'est vrai qu'il y avait un coche à votre crosse et que vous avez dans votre sac 10 scalpes de commande. J'ai été forcé de les jeter. Pourquoi? Ils étaient mangés au mythe. Il fallait les tanner, vous auriez pu les conserver. Non, c'est vrai? Oui, c'est mon père qui me l'a dit. Qu'est-ce que tu fais avec ce bout de saule? Je voudrais me faire un sifflet, mais j'arrive pas à le trouver. L'as-tu fait tremper? J'ai essayé de sucer la moelle. Vous pourriez pas le percer d'un coup de revolver? Oh oui, oui, mets-le sur le poteau. Je ne peux pas le tenir. Tu ne trembleras pas? Oh non! Billy, si c'est pour moi, c'est pas la peine. C'est pas pour toi, Doc. Relève-le un peu. Encore un peu. Encore un peu. Tu ne prends donc jamais la peine de viser? Si, j'ai visé. Quand ça? Avant de sortir mon arme. Regardez, Billy, il est exactement comme je voulais. Merci. À ton service. Billy, si je peux faire quelque chose pour vous, un jour, je suis votre homme. Merci, j'y penserai. Au revoir, Billy. Je n'avais encore jamais vu ça. Quoi donc? De viser avant de sortir son arme. Mais je suis bien forcé. Pourquoi? Parce que j'ai l'œil moins rapide que la main. Oh, mon pauvre vieux, je te plains. Qu'est-ce que c'est que ce cheval? Celui-là, je l'ai acheté. En l'air mal? Il ira provisoirement. Des œufs au jambon cuits des deux côtés. Moi aussi, mais pas retourné, hein. Si on faisait une petite partie en attendant. Combien? Ça te va? Ça me va. Avant que vous ne commenciez, je voudrais vous parler une minute. Qui est-ce? J'en sais rien. Que voulez-vous? Allons dans l'autre pièce. Pourquoi? Vous ne me connaissez pas, mais nous avons un ami commun. Oh, qui donc? C'est quelqu'un que je n'aime pas plus que vous. Garrett, hein? Je vois que vous me comprenez. Vous comptez rester en ville ce soir? Pourquoi? Je sais comme tout le monde que Garrett ne veut pas que vous y restiez. Alors vous allez sûrement avoir des ennuis avec lui. Et je suis prêt à vous aider. C'est bien gentil de votre part, merci. Oh, vous savez, je ne fais pas ça pour vous rendre service. Mais ça me fera plaisir. Alors, voilà mon idée. Pendant qu'il discutera avec vous, il ne vous quittera pas des yeux. Ce sera une belle occasion pour moi. Prenez garde de ne pas me démolir à sa place, hein? Craignez rien, je me mettrai de côté. Voici ce que je ferai. Voyons. Supposons que cette chaise soit Garrett. Si vous êtes où vous vous trouvez maintenant, n'est-ce pas?
Moi, je me mettrai là. Ça ne vous fait rien que je tire mon revolver pour vous faire voir? Non, ne vous gênez pas. C'est moi, Tilly. Tu peux entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu être trop malin. Vous le connaissez? Oui, depuis quelque temps, il essayait de persuader Garrett de le prendre comme assistant shérif. Oui, il y a des chances que s'il avait eu Billy, Garrett l'aurait engagé comme un seul homme. Il aurait même pu se faire nommer gouverneur. Il ne faut pas rester ici, fils. Pourquoi? Il m'a visé le premier. Il ne pourra jamais croire ça à Garrett. On verra bien. Où est mon argent? Oh, je voulais pas qu'il traîne sur la table. C'est une folie de rester ici, Fiston. Ce serait une bien plus grande folie de m'en aller. Garrett aurait beau jeu de m'accuser. Allez, coupe pour qui donne. Tu as l'intention de jouer au poker? Bien sûr. T'es pas inquiet pour moi si j'ai affaire à Garrett, non? Ah, Pat n'est pas manchot. Je le connais mieux que toi. S'il est si fort que ça, tu pourras avoir ton petit cheval? Tiens, j'y avais pas pensé. Prête-moi 100 dollars. Ah non, ça jamais pendant la partie, non? Ça tue la chance. Mais je veux bien jouer le petit cheval contre 100 dollars. Je le crois sans peine. Bonsoir, Pat. Prendre quelque chose? Ou faire un poker? Non, merci, Doc. Tu étais là quand ça s'est produit? Non. Mais c'est lui qui a voulu tirer sur Billy en premier. Comment le sais-tu? Son arme était par terre. Ça ne prouve rien. Pat. Tu sais bien que quand tu commences à t'énerver, tu fais des bêtises. Tu n'as pas le droit d'arrêter Billy à cause de cet accident. T'es en rogne, un point, c'est tout. Doc, je vais te donner l'occasion de rester en dehors de ça. Merci. Ton cheval est dehors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et bonne chance. À toi aussi, Pat. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Il veut sans doute voir s'il y aura de la casse. Aurais-tu l'intention de résister par hasard? J'ai une chose à vous dire, Garrett. Je n'irai pas en prison alors que je suis innocent. Thank you.
merci, Doc. Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Je suis certain que c'est l'autre qui a attaqué Billy. Alors, t'es encore contre moi cette fois? Pas du tout. Non, au contraire. Écoute, j'estime que c'est une question personnelle à régler entre toi et Billy. Et que tu n'aurais pas dû amener tant de témoins. Je leur ai dit de venir pour empêcher Billy de me provoquer et de se faire tuer par moi. Tiens donc, quel brave cœur. Je t'avertis que tu fais une bêtise, Doc. Trahir un vieil ami, tout ça pour défendre une petite crapule à qui un homme comme toi devrait être honteux de serrer la main. À propos de main. Partons avant que cette soupe au lait nous oblige à le calmer. C'est pas lui qui me fera partir. Très bien, si tu veux continuer ce petit jeu. Pendant ce temps-là, j'enfourcherai ton cheval et adieu la compagnie. Alors, si tu le prends comme ça... Allez, sors, fiston. Reste tranquille, Pat. Doc, c'est fini entre toi et moi pour toujours. Je le regrette. Tu peux te relever, fils? Je ne sais pas. Peux-tu aller jusqu'aux chevaux? Je crois que oui. Comme il m'a repêché. Je te dis, c'est un terneur. Il va falloir que je te cache quelque part. Oh, je peux continuer. Charlie, tu vas rester ici et fouiller toute la ville. Le kid a une balle dans la peau et n'ira pas loin. En route! Pas comme ça. Doc! Fais disparaître les chevaux. Il est blessé au côté gauche, mais la balle est ressortie sans atteindre d'organe vital. Ne le remue surtout pas, sans ça, il risquerait de perdre tout son sang. Tu ferais même bien lui couper ses vêtements. Mets-lui un bandage sur sa blessure et tiens-le bien humide. Il ne faut pas le laisser attraper froid. Hein. S'il se met à tousser, il est fichu. S'il s'agit de trop, tu l'attacheras. Et si les voisins l'entendent hurler,
Dis-leur que ta tante a attrapé la rage, ils viendront pas. Je crois que c'est tout. Alors, hein, je te le recommande. Et si je ne reviens pas, je te ferai dire où je serai. Et Billy t'y conduira. Un visage de bébé. Il a chaud. Ton frère Julio avait chaud lui aussi. Il a trempé ses draps. Cherche Mandoc en Guadeloupe. Vas-y donc toi-même. Qu'est-ce qui te prend maintenant? Je ne lèverai pas le petit doigt pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent voir s'il est ici. Oh, ça me fait de la peine. Chico, qu'est-ce que tu fais là? Voyons. C'est le sang qui l'attire. Il voulait tout simplement lui becter les yeux. Allez dehors, sale bête. Votre nom est McDonald. Pourquoi me demandez-vous ça? Vous ne voulez pas me dire comment vous vous appelez? Si, c'est mon nom. Et votre père s'appelait Angus? Oui. Je m'appelle Woodruff, Charlie Woodruff. J'étais son adjoint quand il était shérif de Socorro. Ah, oui, je devais être toute petite à cette époque-là. Charlie! Pardonne-nous, comment ça va? Très bien, merci. Ben dites donc, vous avez engraissé depuis qu'on ne s'est vu. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille avec le shérif. Vous devriez entrer vous asseoir une minute. Non, merci, pas aujourd'hui, mais à l'occasion. Qu'est-ce qu'elle a, cette volaille? Oh, rien, il y a une poule qui couve sous mon lit, il veut tout le temps y aller. Je peux peut-être vous aider à le faire sortir. Oh non, la chambre est sans dessus, nous venons de nous lever. Au revoir, c'est gentil d'être passé. Au revoir. Au revoir, tante Guadeloupe. Je vais faire deux pas avec vous. Oh, non, reste ici, le déjeuner est prêt. Au revoir. Toi, tu vas voir ça. Il est. On dirait qu'il a des frissons. Des frissons? Où es-tu? Là, je suis là. T'en vas pas? Non. J'ai froid. Je vais vous réchauffer. T'en vas pas. Je reviens tout de suite. Comment faire pour arrêter ça? Tu vas fâcher? Non. Si, tu l'es. Non, pas du tout. Alors reste près de moi. Je vais revenir. Où
la bouteille de whisky? Elle est finie. Je l'ai pris pour Matou. Oh ben toi alors. J'ai mis aussi des pierres chauffées à Julio, mais ça n'y a rien fait. Il a frissonné jusqu'à sa dernière seconde. Tu vas sortir d'ici et reste dehors. Pourquoi? Je te dis de sortir. T'es pas un peu folle? Je ne t'empêche pas d'aller chercher le pasteur demain matin si tu as des scrupules. Allez, file. Tu ne mourras pas. Je vais te tenir chaud. Ne tiendra pas ce train-là longtemps. Je crois qu'il va falloir leur refroidir un peu leurs ailes. C'est pas mon affaire, Pat, mais nous avons dépassé les limites du comté. Tu l'as dit, Swanson, c'est pas ton affaire. Différence aujourd'hui. Ça va mieux. Ah, c'est vous. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? J'habite ici. Je me demande comment je suis venu ici. Qui est-ce qui m'a amené? Doc Holliday. Doc? Oh. Vous êtes l'ami de Doc. Le monde est bien petit. Faites attention, votre blessure peut se rouvrir. Ah oui, maintenant je me rappelle. J'ai été blessé hier, hein? Hier. Ça fait un mois que vous êtes là. Vous avez été très malade. Un mois? C'est long, un mois. Où est Red? Red? Vous l'avez bien soigné, j'espère. Qui est Red? Doc n'a pas laissé mon cheval ici. Non? Oh, je n'aurais jamais cru qu'il ferait ça. Et sans me prévenir encore. Alors, il est guéri? Qui est cette vieille pomme d'amour? Ma tante Guadeloupe. Oh, Guadeloupe, comment ça va? Dites, vous n'auriez pas un ou deux beefsteaks dans un coin? Vous avez faim? Je crois qu'il n'y a rien de cuit à part des haricots. Bon, ça ira pour un début, hein, pomme d'amour. Et on ne croirait guère que vous êtes malade. Malade, moi?
qu'est-ce que c'est qu'une pomme d'amour? Oh, une espèce de sucrerie. Sucrerie? Oui, enfin, c'est quelque chose de doux, quoi. Ah. C'est vrai, ça? Où vas-tu, toi? Oh, je vais voir s'il n'y a pas un œuf frais dans la cour. Comment ça va? Bien. Est-ce déjeuner? Vous avez déjà mangé il y a une heure. Non. Apportez-moi mes vêtements, je vais me lever et faire un tour. Pour aller où? Ben, je ne vais pas rester au lit éternellement. Et d'ailleurs, il faut que je cherche ma bague. Ton bague? Oui. C'est une bague que j'avais à ce doigt-là. Ça m'ennuierait de l'avoir perdue. Vous faites donc pas tant de mauvais sang à cause de ça. Vous n'aurez qu'à en acheter une autre. Mais c'est un porte-bonheur, vous comprenez? Elle me vient d'un homme à qui il n'est jamais rien arrivé de grave, aussi longtemps qu'il l'a portée. Comment l'avez-vous alors? L'avez tué? Non, c'est pas moi qui l'ai tué. En tout cas, sa bague ne lui a pas tellement porté bonheur. Eh bien, si seulement il l'avait retirée pour faire sa toilette. Non, non, attendez demain pour vous lever. Vous avez déjà dit ça hier. Vous n'êtes pas assez solide. C'est ce qu'on va voir. Billy, vous allez vous faire du mal. Alors vous n'avez qu'à pas lutter avec moi. Encore guéri, vous n'êtes pas assez fort. Rio. Tu viens? Il faut que tu viennes faire les courses avec moi. Fini de laver. Tu as tout l'après-midi pour ça. Viens donc. Il faut que je me coiffe d'abord. Alors tâche de te dépêcher. Pourquoi faut-il que vous y alliez? Oh, ça vaut mieux. Et si l'on vient pendant votre absence? Et si le député du shérif venait comme l'autre jour? Oui, c'est vrai. Je vais lui dire que je n'y vais pas. C'est moi, Doc. Allez, ouvrez, dépêchez-vous. Fofana. Bonjour, Doc. Contente de vous voir. Eh ben, j'ai cru que j'allais être forcé d'enfoncer la porte. C'est la pluie, Doc. J'entendais rien, Doc. Crie pas si fort, je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que vous dites de cette tempête? Et voilà 4 jours que ça tombe comme ça, Doc. Ça se trouve bien. Il n'y a pas de danger qu'on suive ma trace. Votre trace, elle est noyée, hein?
Vous avez faim? Je m'étais pas assis depuis un mois. Et Billy? Oh, il va bien. Il s'est levé il y a à peu près 8 jours. C'est bien. Où est Rio? Rio? Ah, oui. C'est dans ça que tu hurlais tellement, hein? Je vais la chercher. Attends un peu. Tu as fait assez de potins pour qu'elle ait entendu. C'est comme ça. Alors, où est-il? En train de s'habiller. Ouais. Je peux peut-être aller l'aider. Oh non, non, Doc. Non, il faut que je te parle d'abord. Alors quoi? T'étais saoul? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il s'est arrangé pour l'enjôler, comme moi. Il s'est tellement bien causé aux femmes, le monstre. Ouais. Il n'a pas eu besoin de se forcer. Doc, ne dis pas ça. Je peux pourtant pas te donner ma bénédiction. Ça vaudra autant. Hein? Je suis mariée avec lui. Comment? C'est la vérité. Seulement, ne lui dis pas. Me dire à qui? À Billy. Tu veux dire qu'il ne le sait pas? Non. Comment seriez-vous mariée alors? Il était en plein délire. Si je l'ai fait, c'est que je croyais qu'il allait mourir dans la nuit. Et c'est sûrement ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là. Je ne tiens pas à sa reconnaissance. Ouais, je crois que j'aurais aussi bien fait de rester où j'étais. Fais-moi un peu de café. Tout de suite, Doc. Tu as raison de ne pas tenir à sa reconnaissance. Pourquoi dis-tu ça? Au fond, en réfléchissant bien, après le tour que tu viens de me jouer, je suis extrêmement content que tu sois avec Billy. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je ne veux pas te gâcher la surprise. Bonjour, Doc. Alors, c'est tout ce que t'as à me dire. Oh, écoute, Doc, c'est bête, mais c'est aussi ta faute. Ah, ma faute, hein? Tu m'as amené ici? Celle-là, elle est vraiment bien bonne. Tu me chipes mon cheval et puis Rio, mais à chaque fois, c'est ma faute. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Tu t'es sauvé avec Red, non? Tu crois que c'est une excuse? À moi, elle me suffit. Oui, mais il y a un petit ennui. Quoi donc? C'est que Red était à moi aussi. J'étais trop malade pour discuter cette question. Oui, ça, je le reconnais. Mais avais-tu besoin du cheval pendant que tu étais dans le coma? Oui ou non? D'accord, Doc. Si c'est comme ça que tu vois les choses, tu considères que c'était simplement un emprunt. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Oui, je voudrais bien le savoir. Tu me fais un emprunt? Je te fais un emprunt. Qu'est-ce que ça signifie? Allez, tiens, on boit le café. Faut pas moisir ici trop longtemps. Non, j'en suis pas. Écoute, Doc. On va faire une chose. Oui, laquelle? Allons, je tiens à te faire voir que je suis bon prince. Je te laisse choisir ta part. Hein? Tu aurais l'audace de me troquer contre un cheval? Ça dépend de Doc.
Après tout, il faut bien que je pense un peu à lui aussi. J'apprécie ton offre, Billy. Sois-en sûr. Billy, oh, c'est pas sérieux. Et après tout ce qu'elle a fait pour vous. Hé, hey, vous ne savez pas ce que Cheval a fait pour moi. Hein, Doc? C'est vrai. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais dans ces conditions, je crois que je choisis le cheval. Oh non. Oh, t'es pas satisfait? Écoute, Doc, je tiens un cheval. Qu'est-ce que je te disais, hein? Oh, je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Oh, rien du tout. Quelle mouche te pique? Aucune. De l'eau fraîche là-dedans, les ruisseaux vont être boueux. Et pour manger en chemin? Mets-nous à un bon bout de l'heure, que ça nous mène jusqu'à Fort-Sumer. Oui. Oui, Doc. Tiens, le temps s'éclaircit. Faut pas nous attarder. Doc, prête-moi de l'argent. Combien te faut-il? 50 dollars. En voilà 40. Tiens. Achète-toi un cheval et une charrette. Je crois que tu ne me donnes pas trop. Si t'en as trop, donne-en la moitié à la tante. Si on décide de rester à Fort-Sumner, je te ferai venir. Pour quoi faire? Pour que tu fasses la cuisine. Tenez, voilà. Au revoir, Doc. Au revoir, pomme d'amour. Au revoir, Billy. Tâchez de vous soigner. Au revoir, Guadeloupe. Pour Doc. Alors, vieux sac à foin, tu t'ennuyais de moi? Dis donc, il est mec comme un squelette. Et il a appris de l'exercice ces temps-ci. Où as-tu trouvé ce bidet? Le cheval noir que je montais était fourbu, alors je l'ai remplacé par celui-là. Il est bon, encore un peu rétif. Oh! Je veux bien te le prêter pour quelque temps. Hein? Jusqu'à ce que tu reprennes des forces. Je n'ai pas besoin de tes générosités. Qu'est-ce qui te prend? T'es fou? Je ne veux pas que tu penses que je suis ton obligé. Pourquoi? Parce que je ne renonce toujours pas à le reprendre.
Et je n'ai pas renoncé à monter cette sale carne. Fatigue. Qu'est-ce que tu cherches? Mon sachet de tabac. Alors tu tiens à me chaparder tout ce que j'ai? J'avais oublié. C'est une sale habitude que t'as, d'oublier quand les choses sont pas à toi. Tu crois que j'ai fait exprès? Ouais. Je te préviens que je commence à en avoir assez. Et moi, Adam? Si tu veux qu'on s'explique, faut le dire. C'est pas très régulier, ça. Je fais comme je peux. Je suis tellement vanné que je peux à peine les tenir en main. Je ne veux pas me battre avec un malade. Je suis pas malade. Laisse-moi souffler quelques minutes et je te reçois avec les mains vides. Bon, eh bien, je crois qu'on pourrait camper ici. Il n'y a pas d'eau. Non, et on n'en trouvera pas avant d'être à Fort-Sumer. Ça fait un bon bout de chemin. Et quand on y arrivera, notre ami le shérif ne sera pas loin derrière nous. Hein? Garrett? Qu'est-ce qu'il te dit que c'est lui? Je le reconnaîtrai de plus loin que ça. Mais il se pointerait pas tout seul à nous deux. Peut-être qu'il a perdu trop de ses amis. C'est bizarre que tu ne l'aies pas tué. Tu as essayé? Si j'ai essayé. C'est ce que je te demande. Je n'ai fait que ça. Qui est-ce qui a bien pu le mettre sur notre trace? Il est bien possible qu'on nous ait vu partir, ou... Ou quoi? Rien. Oui, c'est sûrement elle. Oui, Rio. Mais dis donc, pour quelle raison a-t-elle pu faire ça, selon toi? Tu sais, les femmes sont bizarres. Hé, doucement avec l'eau, hein? On n'a que deux bidons pour tenir jusqu'à Fort-Sumer. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Ah oui, douces petites créatures. Cet amour de gosse les a remplis de sable au lieu d'y mettre de l'eau. Ça dépasse les bornes. Alors, c'est pas la peine d'attendre qu'on vienne faire notre autopsie. Hein. En route. Que je vais boire un coup. Qu'est-ce que tu nous rabâches? Tu sais bien qu'on n'a rien à boire. Oui, mais ça fait plaisir d'en parler de temps en temps. Je sais ce que tu penses, mais ça servirait à rien. C'est pas une chose à faire. Quoi? De tuer une femme. Pourquoi? Oh, tu sais, elles sont toutes pareilles. Elles font n'importe quoi pour nous. Ou contre nous. T'aurais dû me réveiller.
Il y a longtemps qu'on devrait être en route. Oh. Ne bouge plus. Oh, salut, Pat. Où est Billy? Je crois qu'il t'a lâché. Et avec mon cheval, hein? Tiens, c'est ça. Oh, quoi, tu me connais bien. Tu crois vraiment que c'est utile? Oui, je te connais. Mets les menottes. C'était pas bête de mettre du sable dans les bidons. J'ai simplement voulu que tu en aies pour ton argent. Ah oui. Et tu avertis le shérif pour faire bonne mesure, hein? Il ne risquait rien en venant seul. Il n'avait qu'à attendre tranquillement que nous soyons morts de soif. T'en es tiré quand même? Ça n'a pas été de ta faute. Mais de penser que j'allais bientôt être avec toi, ça me donnait des ailes. Alors, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Ça, c'est vraiment gentil. Dis-le encore une fois. Ça me plaît. Demande-le encore. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, si je te demandais de me dire merci d'avance. Merci. Tu garderas bien les yeux ouverts? Oui. Regarde-moi bien dans les yeux. Voilà, sauf moi. On me prend peut-être pour un chameau. Si tu as soif, descends boire un coup. T'as entendu quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ces traces? Je sais pas. Trop petit pour un homme, hein? Il y en a encore là. Thank you.
c'est un vieux truc indien de mouiller les lanières pour les faire rétrécir. Oui, dans une heure, elle aurait été pendue par les poignets. Ah, faut dire une chose pour Billy, c'est qu'il a le sentiment de la poésie. Il l'a placée de façon qu'elle puisse voir l'eau. Il était encore là, il y a trois quarts d'heure. Il est parti en direction des montagnes. Ça va, oui. Asseyez-vous. Vous inquiétez pas de moi, courez après lui. Oh, on ne le rattrapera pas. Pourquoi? Il a trop d'avance sur nous. Asseyez-vous. Tu sais, je suis sûr qu'il est amoureux de toi. Ne dis pas de choses stupides. Quand un homme est toqué d'une femme, ça se reconnaît à ce qu'il a des idées de toqué. Il n'y a qu'un être au monde qui l'intéresse. C'est lui-même. Tiens, vous me donnez une idée. Peut-être qu'on l'attrapera, ce monsieur Billy. Comment? Doc a raison. Puisqu'il a été assez fou pour vous attacher, peut-être qu'il sera assez fou pour venir vous délivrer. C'est vous qui êtes toqué. Il se fiche éperdument de moi. Il n'en viendra pas. Peut-être bien que non, mais on peut essayer. Hein, Doc? Ben, il est certain que s'il fait la bêtise de revenir, il ne l'aura pas volé. Je t'ai dit de ne pas respirer si fort. Oh, ça va, ça va, ça va. Oh, je croyais avoir serré plus que ça. Oh, je ne t'attendais pas. Si je suis là, c'est pas à cause de toi. Non. Est-ce que tu as vu Doc et le shérif? Nous sommes là, Billy, juste derrière toi. Et lève tes mains. Dis donc, t'aurais pu me prévenir. Dépêchez-vous de faire à manger. Je veux être entré en ville avant la nuit. Oui, minute, je n'ai que demain. Qu'est-ce que t'attends pour t'en servir? Attends que je m'en serve pour t'arranger la figure. Ça ne m'étonnerait pas de toi. T'as de la chance que je sois troussé comme une volaille. C'est-y pas attendrissant. Charmant tableau de famille. Mais je serais à moitié chemin de force sommaire si j'étais pas revenu pour toi. Quoi? Oui, toi. Donne-moi une cigarette. Tu veux dire elle? Rio? Dis donc, t'es pas malade? Alors, tu ferais mieux de l'avouer carrément. D'avouer quoi? Tu n'as su que Pat m'avait pris que quand tu es repassé à notre campement. Non. Alors, pourquoi nous aurais-tu cherché? Parce que... Nous aurions été à Lincoln avant même que tu reviennes ici. Non, mais dis donc, qu'est-ce que tu veux insinuer? Eh bien, t'as dit l'autre fois à Rio qu'elle te ferait la cuisine. Alors, j'ai pensé que tu voulais l'emmener avec toi. Bah, tu es timbré, je ferai pas un geste pour elle. Je te dis que si. Je te dis que non. Les actes en disent plus long que les paroles. C'est vrai. Alors, tu vas voir à quel point elle m'intéresse. Si tu veux la reprendre, je te la cède avec plaisir. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Garde-la. Les taureaux ne pèsent pas après les veaux. Les veaux? Les veaux, tu as dit? Non, j'ai dit les chimpanzés. Je vais te montrer. Oh, assois-toi. Qu'est-ce qui te prend à toi? Ça ne te regarde pas. Attention, mon garçon. Tu veux que je t'en colle une? Justement, je n'attendais que cette occasion. Je vais te dresser. Ah.
même plus la peine de faire à manger. On part. Allez. Laisse-moi boire d'abord. Allez, vas-y, et fais vite. Hé, hey, Rio, retiens-moi par les mains pendant que je bois. Allez, sortez de là! T'as eu le temps de te remettre, on s'en va. T'as l'intention de nous ramener à Lincoln? Ben évidemment, cette idée. C'est de ce côté-là, hein? Sure, it's over that way. What are you getting at? Take a look. Well, the Mescaleras are out early this year. They're talking about us, ain't they? Yeah, they're tipping off another hunting party that must be out somewhere. Right over there. Il y en a des deux côtés. On n'a plus qu'à prendre ses jambes à son cou jusqu'à force humaine. Alors ne comptez pas sur moi dans ce cas-là. Pourquoi? Je suis pas acrobate. J'espère que vous serez assez raisonnable et que vous vous conduirez bien. Bien sûr, Pat. Quelle idée. Bien sûr, Pat. Le tien, il est là-bas. Qui décide? Moi. Va le chercher, fais vite. Rio, vous prendrez le cheval Pi. Bon. Merci. Et il est à moi, celui-là. Je le sais qu'il est à toi, mais vois-tu, je me l'octroie. C'est mauvais. On dirait bien qu'il y en a qui sont passés avant nous. Non, non, ne viens pas par ici, Rio. Pourquoi? C'est pas beau à voir. Les Mescaleros ne s'embarrassent pas de si peu. Dis, qu'est-ce que c'est? Il y en a une tripotée.
On n'arrivera jamais à se dépêtrer d'eux. Tiens, là-bas aussi. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de mes revolvers, pardi. Ah non, non, pardon. Tu vas pas faire des histoires maintenant, Pat. Laisse-nous le moyen de nous défendre. Il grille d'envie de me voir scalper. Ça, tu l'as dit. Oui, et puis elle. Enfin, je ne veux pas discuter. Dites-moi une seule chose. Est-ce que vous me faites la promesse de me les rendre quand je les réclamerai? On n'est pas des sauvages. Tu le forceras à me les rendre? Et moi qui me forcerai à les rendre? Je te fais confiance, allez. Où sont mes cartouches? Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les distancer? Je ne peux pas les attendre ici. Je crois que j'ai un moyen. Qu'est-ce que c'est? Allez, venez et faites comme moi. Je connais cet endroit. Nous sommes à une demi-journée de Fort Sumer. Señor Garrett, qu'est-ce que vous faites par ici? Bonsoir, Pablo. Est-ce qu'on peut rester pour la nuit? Oui, avec grand plaisir. Entrez, ma maison est à vous. Je vais rentrer les chevaux. Alors, monsieur, je crois qu'on est tiré d'affaire, hein? Oui, oui, c'est vrai. Mmh.
Non, c'est pas si sûr que ça, Pat. Oh oui, il a raison, Pat. Les mescaleros sont déjà obstinés. Pablo, c'est très important. Il faut que tu ailles à Fort Sumer. Tu remettras ça au shérif de ma part. Il n'a pas dit le shérif? C'est aussi ce qui m'a semblé. Splendide. Je crois que je vais aller faire un tour. Alors, mes enfants, s'il arrivait des fois que vous soyez endormis avant que je rentre, je vous souhaite le bonsoir. Je vais aller avec toi. Eh bien, Billy, comme tu as bien soigné mon cheval, je tiens à ce que tu lui dises au revoir avant qu'il ne parte. C'est très gentil à toi, Doc. Oh, et on a de la délicatesse ou on n'en a pas. Alors, si tu es décidé à rester là bien tranquillement, sans faire d'embarras, je t'autorise à lui faire au revoir de loin quand je me mettrai en selle. Autrement dit, t'as l'intention de t'en aller. Ça me fait de la peine de te quitter si cavalièrement, mais enfin, tu sais ce que c'est. Écoute, Doc. Non, tu perdrais ton temps, pas. T'es bien sûr de n'avoir rien oublié? Non, je ne crois pas. Bonsoir à tous. Dis donc. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Avant de partir, il faut que tu m'écoutes une minute. Pourquoi? Peut-être que j'ai pas envie de dire au revoir à Red. Oh, tu crois que tu as encore ton mot à dire à propos de Red, hein? Oui, je le crois. Alors, si c'est ça, dis-le. C'est pas très régulier ce que tu fais là, Doc. C'est toi qui m'as dit ça une fois. Ça te va? Je ne t'en demande pas tant. Merci. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Tu crois qu'il nous laissera tranquille? Ou vaut-il mieux se débarrasser de lui avant? Ne t'inquiète pas de moi. Doc, tu sais que je ne ferai pas un geste pour t'empêcher de le tuer. On s'entendrait si bien, toi et moi, s'il n'était pas là. Il ne s'en mêlera pas. Alors, Christian, dépêchons.
pose ton plat quelque part, ça m'énerve. Bill, il va te tuer. Qu'est-ce que ça te fait? Tu trouveras un autre cheval. C'est celui-là que je veux. Pourquoi? Je veux lui apprendre à renvoyer la fumée par les oreilles. Alors, c'est pour aujourd'hui? Va te mettre contre le mur. Mais Bill... Allez! Et compte jusqu'à trois. Jamais. Vous êtes complètement fou. Tu veux compter, Pat? Sûr. Et avec joie encore. J'ai pas confiance. Il a trop de zèle. J'aimerais autant que ce soit le coucou qui donne le signal, si ça te va. Oui, ça me va. Et il va sonner dans une minute. On fait feu au dernier coup. Entendu. Ça devait arriver tôt ou tard. Les hommes sont pareils à des grands enfants. As-tu jamais vu deux gosses se battre dans la rue? Ils se poussent, ils ont l'air de vouloir se faire du mal, mais c'est de la frime. En réalité, ils sont bons amis, et ils font ça pour s'amuser. Et puis, tout d'un coup, il y en a un qui tape un peu trop fort. L'autre se fâche. Et pour finir, il y en a un des deux qui écope. C'est pareil en ce moment. Il y en a un de nous deux qui va écoper. Mais quand ce sera fait, et quel que soit le résultat, que ça soit sans rancune. Doc. Qu'est-ce que tu attends? J'ai changé d'avis. Tiens, cette idée, tu es trop lâche. Je ne savais bien que tu n'avais rien dans le ventre. Tais-toi. Qu'est-ce qui te retient de te battre? C'est un piège que tu me tends? Non, ça ne me dit plus rien. Peut-être que j'ai trop mangé. Mais la prochaine fois, peut-être que ça te dira, hein? Qui sait? Ça ne vaut rien, Billy. S'il faut qu'on se batte une fois ou l'autre, autant que ce soit tout de suite et qu'on n'en parle plus. Depuis que t'es avec moi, tu es prêt à le faire à chaque minute. J'ai fait semblant de rien, mais j'attendais tranquillement que tu choisisses ton moment. Eh bien, tu l'as choisi. Est-ce qu'il faudra que je te force à te défendre? Tu te battras? Ou faut-il que je te rogne les oreilles? Doc, tu es fou, arrête! Je n'y comprends plus rien, Billy. J'aurais cru que tu ne supporterais ça de personne. Sûrement que je ne le supporterais pas d'un autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Doc, il essaye de t'entortiller. C'est un froussard, tout simplement. Je souhaite d'être aussi froussard que lui. Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Je crois que c'était une mauvaise idée d'attendre le coucou. Pourquoi? Eh bien, ça m'a donné le temps de me rappeler certaines choses. T'es le seul compagnon que j'ai eu. Non, tu le dis sincèrement, fiston? Et je t'ai traité d'une façon dégoûtante. Non, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû me mettre en colère et t'arranger de cette façon. Allez, allons-nous-en. Non, vaut mieux se séparer.
Et pourquoi ça? On ne peut pas monter raid en même temps. Oh, t'inquiète pas. On trouvera bien le moyen de s'arranger autrement. Je te le laisse au départ d'ici. Non, je l'ai eu le dernier. Oui, c'est vrai, en y pensant bien. Maintenant, je suis tranquille, il n'y aura plus jamais d'histoire entre nous. Parce qu'il y a une chose certaine. Si on ne s'est pas battu ce soir, on ne se battra jamais. Allez, viens, on s'en va. Alors, au revoir, Pat, et ne t'ennuie pas trop sans nous. Tu ne partiras pas avec lui. Ah non, tu ne vas pas t'attaquer à nous deux à la fois, hein? Ah, je m'en doutais que ça tournerait comme ça. Depuis que tu le connais, tu me traites comme un chien. Dès le premier jour, tu étais décidé à te mettre contre moi. Et maintenant, tous les jours, se paient ma tête. Allons, sois calme. Et je n'ai pas été méchant. Je vous ai rendu vos revolvers. Et tu voudrais maintenant que je me batte contre vous deux pour les reprendre? Tu as l'audace de te mettre du côté de ce petit crapulard contre moi? Moi? Et pourtant, j'ai été ton ami pendant 20 ans. Et je serai encore ton ami. Sur cette espèce de fripouille. Ça va, hein? Il y en a assez comme ça pour ce soir. T'emmène pas, Billy. C'est moi que ça regarde. Pat est un vieil ami. Je ne veux pas le tuer, je ne veux pas que tu le tues. C'est clair. Pat, je t'assure que c'est pas la peine de t'exciter comme ça. Je suis persuadé que quand on se reverra, on rira bien en y repensant. Salut. En garde, hein, tu n'as pas la moindre chance contre moi. Ça. Oh, Doc, étends-toi. Non. Pourquoi? Non, c'est la seule chose qui m'a toujours fait peur. Laquelle? Mourir couché. Doc! Pourquoi tu t'es pas défendu? Tu me tenais à ta merci. J'ai été refroidi net. C'est peut-être que j'aime pas la viande froide. Quoi dire? Je ne fais jamais de discours sur la tombe des gens que je tue. Mais faudrait quand même dire quelque chose. Alors parle, toi.
tard, Doc. Pat, je voulais te dire que je regrette. Si, sincèrement, hier soir, je voulais te tuer. Mais dans la journée, on a l'esprit plus clair. Vous étiez amis depuis des années. Si je n'étais pas venu, tout ça ne serait pas arrivé. C'est sûr que c'est bizarre. Il suffit que deux ou trois pistes se croisent et tout d'un coup, tout s'embrouille. Alors, vas-y. Après vous. Mais est-ce que tu crois que je te tirerai dans le dos par hasard? J'en sais rien. Mais je m'y risquerai pas. En tout cas, tu serais pas assez idiot pour m'attaquer en face. Tu n'as confiance en personne, hein? Oh, pardonne-moi. Avance. Maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il te laissera partir tranquillement. Comment le sais-tu? C'est lui qui me l'a dit. Hé, hey, Billy! Est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est comme ça que tu le prends, alors ça va bien. En tout cas, moi, je n'ai pas peur de te présenter le dos. Tiens, tiens ça une minute. Je pensais que ça pourrait te faire plaisir de garder les armes de Doc. Oh oui, je serais content. Merci, Pat. Merci beaucoup. Justement, j'en ai qu'une paire. Et avec les étuis noirs, ça ira avec mes habits du dimanche, si jamais j'en ai. Alors, tu crois qu'ils tireront? S'ils sont pas trop longs, oui. Oui, la longueur est la même. Fais attention, ils sont chargés. C'est vrai. Ils ont un équilibre encore meilleur que les miens. Alors, si tu me laissais les tiens en échange. Les miens? Pourquoi faire?
Si j'avais tes revolvers, il serait facile de faire croire que c'est toi qui es enterré au lieu de Doc. Hein? Tu me ferais passer pour mort? Mais oui. Et si je leur montre les revolvers de Bill et le Kid, personne n'aura l'idée d'en douter. Pour les gens qui te recherchent, ta trace finira ici. Tu pourras changer de climat. Ça sera la fin de tes embêtements, passé et présent. Toi et Rio, vous n'aurez qu'à filer sans vous faire de mille. Et comment que ça se fait que tu ferais ça pour moi? Voilà que tu recommences. Quand quelqu'un te veut du bien, faut toujours que tu le soupçonnes d'un sale coup. C'est ta sacrée tête qui est la cause de tout le mal. C'est pour ça que tu te mets un tas d'histoires sur les bras. Je ne connais pas un homme dans la région qui ait plus d'ennemis que toi. Est-ce que tu trouves ça malin de te conduire comme tu le fais? Quand quelqu'un te tend la main pour t'aider, t'as l'air de croire qu'il cache un poignard dans sa manche. Mon gars, je ne sais pas où ça te mènera, ces manières-là. Je te le dis, sincèrement. Oh, je disais ça en l'air. Excuse-moi. Ah, là, j'aime mieux ça. Ça, c'est bien, petit. Allez, donne-moi tes revolvers et file pendant qu'il est temps. Qu'est-ce que tu as? Rien. Rien, mais il y a si longtemps que je les ai, que ça m'ennuie un peu. Billy, j'ai été vraiment patient avec toi. Mon petit gars, c'est ton devoir de me les laisser. Pense que c'est ton intérêt. Une nouvelle vie va commencer pour toi. Ces revolvers sont la marque du hors-la-loi. Ils représentent tout ce qu'il faut que tu oublies à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte que si tu as l'intention de mener une existence tranquille, il faudra t'aider les mains nettes. Tu dois être dans le vrai, Pat. Je n'avais jamais pensé à ça. Merci, Pat. Billy, tu ne sais pas tout ce que ça représente pour moi. Tu n'oublieras jamais cet instant. Au revoir, Pat. Pourquoi me dis-tu au revoir? Parce que je te quitte? Pas du tout. Tu vas rester avec moi. Hein? J'ai ôté les percuteurs de ces revolvers. Hein? Salaud! Si tu veux me faire plaisir, tu n'as qu'à continuer à t'approcher de moi. C'est un des tiens que tu as là? Oui, on dirait. Comment as-tu fait? Oh, sale tricheur! Tu m'en as donné un autre à la place! Tu m'as joué un tour de canaille! Écoute, j'ai pas fait exprès. Ça, je le jure. C'est peut-être que je les ai mélangés en les manipulant.
Merci. Je laisse mes revolvers là. Qu'est-ce que j'en ferais? Tu avais dit que tu en aurais besoin pour que les gens prennent ta petite histoire au sérieux. Tu sais, j'ai comme une idée que tu aimerais mieux dire que c'est Doc qui t'a arrangé de cette manière. Parce que je crois que tu ne serais pas très fier d'avouer que c'est Billy le Kid qui t'a eu. Au revoir, Pat. Tu ne vas pas partir sans tes bidons, non? Tu me les as bien remplis? Oui. Thank you.